regarde Yacoub. Itch. Et elle se remet en garde aussitôt. Itch. 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 Technique où on fait une rotation vers l'extérieur du poignet ici en plaçant les deux pouces sur le dos de la main, d'accord. Vous n'avez pas attrapé les doigts ni quoi que ce soit, vous arrivez dans cette position, ne bougez pas, reste là. Et gardez cette ouverture, c'est-à-dire cette distance entre la main et l'épaule. Pas trop près comme ça, parce que là, il y a beaucoup de mobilité de l'épaule et la technique sur le poignet perd en efficacité. Donc l'idée étant de l'envoyer ici, pas de le tirer vers moi et de l'envoyer ici, voilà, pour faire côté gauche. D'accord? Ça c'est, si vous voulez, la position qu'on va rechercher, c'est ça. Ok? Cette ouverture du bras. Tekadani, c'est différent, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que là ici, voilà, on va saisir l'articulation du pouce en dessous, paume de la main vers le haut, et vous allez arriver dans cette position. Tiens, pas droit, je te fais rien. Tiens, pas droit. Voilà. Je vais pousser ici. Prenez pas les doigts, poussez ici le poignet, et vous voyez qu'on arrive dans la même position que côté, et on va tourner ici en enfonçant le coude vers l'intérieur pour le faire abandonner. Mais c'est, le principe est le même. Hein. Faire un combien par exemple. Voilà. Ok, Tekagami ici. Voilà. Vous avez fait un tenkan ici, et j'en ai vu beaucoup qui passaient le couteau, ouais, voilà. Qui passaient le couteau, ici, ils avaient pas, vous n'aviez pas de couteau, donc vous vous êtes pas rendu compte, mais ils passaient le couteau ici. Non, 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 d'accord. Ici, le couteau il s'en va là-bas. Donc c'est lui, vous devez vous déplacer, mais lui aussi. L'idée sur un couteau, c'est qu'il faut contrôler le bras. Sur deux points, soit l'épaule et le poignet, soit le coude et le poignet la plupart du temps. Donc ici, sur cette attaque, on va venir contrôler le coude, bougez pas, ici en passant par-dessus. L'autre main va venir se placer déjà directement, et cette action, reste là où tu es, cette action ici va venir casser le coude déjà, ou du moins l'obliger à se déplacer. Voilà, et là, on va s'écarter de lui. La pointe du couteau vers lui. Coup de hanche, on pose le genou arrière. Faire bien projeter ici. C'est une des formes du déplacement. Il y en a plusieurs. Hein. Là, bloquer le bien. Voilà, tire sur ton couteau pour le sortir. Vas-y, tire fort. Il est suffisamment bien tenu. Ok? Et appuyez-vous sur le plat de salade, attrapez avec la main droite, la main gauche va venir par-dessus, va venir bloquer l'arme et le poignet. Et maintenant, on va lui pousser le coude dans le ventre. Vous pouvez le faire aussi en faisant Iraki. Vas-y, attaque ici, on va en arrière. Ok.
ici, appuyez-vous sur le couteau. D'accord ? Voilà, là, voyez, si je continue à tourner, là, je suis obligé de le lâcher. Hein. Si je lui fais la conception, ça ne m'intéresse pas spécialement qu'il le lâche. Hein. Voilà. Si je retire le bras vers toi, là, il n'y a aucune force. Hein, parce qu'il n'y a aucune articulation alignée. Là. Voilà. C'est parti, t'es qu'à gagner. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, si je veux lui faire cette cœur, je vais tourner les mains, placer la lame dans ce sens-là. Donc, je pied droit, main droite. OK ? Et à peu près le même mouvement, vas-y. Je viens ici, voyez. Et cette rotation que je fais avec les mains, c'est la même que je fais avec le sable. C'est exactement le même mouvement. OK ? Tiens, tu prends le couteau, s'il te plaît. On va faire sur main. Alors, il y a plusieurs formes de contrôle pour arriver à faire le côté. Bon, comme ça, dans cette position, faire ici. On va rentrer comme une baie. Et on va alors, soit remonter, soit au bras, hein, comme on veut. Ouais, je rentre ici. Je contrôle ici avec mon coude et je contrôle ici avec le pouce sur le dos de la main. Vous avez la position ? Donc en fait, comme si vous faisiez une baie, pareil, je rentre, je l'amène, quand il va vouloir se relever, je tombe sur lui ici. Position ici, maintenant je commence à me décaler, voilà, j'ai obtenu le déséquilibre, je viens ici, et on finit le mouvement. Ok ? Donc, gauche, haut, contrôle, comme un walkie, pareil. Le bras passe par-dessus, vient bloquer ici, dans cette direction-là. Là, vous voyez que là, je ne vais pas faire un mouvement comme ça, hein, où je tourne le poignet pour mettre le couteau face à ma gauche. Hein. D'accord ? On verra pour finir le mouvement, hein, pour l'instant. Déséquilibre. Ok pour mettre dans ce contrôle là. On va voir deux déplacements d'abord en statique, donc à partir de cette position, avec une idée où l'autre vient rejoindre ses deux mains. Voilà, pour me bloquer ici, pour pas que je puisse ramener les mains vers l'avant. D'accord ? Donc à partir de cette position, vous allez avancer le pied droit, saisir son poignet ici, garder la main qui est saisie ouverte et pousser vers le sol. En descendant sur la jambe avant. Voilà. Tiens. On croise. On frappe. Et on vient faire côté. D'accord ? Première forme. Voilà. Bon. Croisez bien la jambe. Frappez. Récupérez le poignet ici. Et on vient de là. Deuxième forme, vous allez vous rapprocher de l'autre côté, vous allez vous rapprocher de lui en enfonçant les mains dans le sol. Voilà, il tient fort là, voilà. Et on va monter ici, juste ici. D'accord ? C'est-à-dire sur, à ce niveau-là. Ok, pas ici, hein. Ça va. On va le faire en dynamique, on va comprendre l'activité. D'accord ? Donc ici, là, là, ouvrir, saisir le poignet qui est au-dessus, tourner ici la hanche. D'abord en statique. C'est parti.
Alors, nous allons faire la première forme, c'est là. Ici, vous avez fait ceci. Là. Là. Et là. Voilà, vous avez fait ce mouvement là. Mais on va le faire en dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, il va venir de face à moi, il va me saisir le poignet, il va passer pour venir me saisir l'autre. D'accord ? Au moment, très doucement, au moment où il saisit, moi je commence à tourner dans l'autre sens. D'accord ? File. Vous voyez que quand lui, on va faire du son tout de suite, quand lui tourne par là, on va par là, il tourne, moi je tourne dans l'autre sens. Doucement. Le deuxième. On a fait ici et on a fait ça. Là et ensuite on est revenu avec l'anche ici. Ici. Doucement. Viens saisir ici. Je tourne dans le même sens que lui. Viens chercher. Voilà. Ah, vous voyez, il y en a un, on tourne un sens contraire et l'autre dans le même sens. Pardon, excuse-moi. C'est bon ? Ok ? Allez, c'est parti, on y va.